Si tu te souviens bien, il y a quelques vidéos, on a appris à démontrer qu'un plan infini et uniformément chargé émettait un champ électrique constant. Donc si je résume, ça veut dire que si ici j'ai un plan qui est chargé positivement et qui a une densité de charge sigma, donc on va pas l'écrire ici, hop. Donc sigma, tu te souviens, on a dit que c'était la charge sur l'air. Eh bien, ce plan, infini et uniformément chargé, va émettre un champ électrique comme ceci, c'est-à-dire qu'il va les vecteurs champ électrique vont s'éloigner vu que ce plan est positivement chargé, et tous exactement de la même amplitude, puisque ce champ est constant. Et on avait démontré que ce champ était constant et égal à 2 k pi sigma, où sigma est la densité de charge que j'ai écrite ici. Eh bien, malheureusement, on sait que dans la vie, on ne peut pas trouver des plans infinis comme ça. Ça n'existe pas. Donc maintenant, on va essayer de se pencher un peu plus sur quelque chose de plus réel et on va se dire qu'est-ce qui se passe si maintenant mon plan, eh bien, il est fini. Donc si tu veux, si c'est une plaque qui est chargée, et qui a des dimensions finies. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En fait, on ne va pas se poser la question juste pour un plan, mais on va se poser la question pour deux plans positionnés comme ceci. Deux plans, donc deux plaques, j'ai dit plutôt, parallèles. Et cette plaque-ci que je dessine en haut, eh bien elle est négativement chargée et sa charge est moins Q. Et donc la première charge, ici, c'est plus Q. Et tant que j'y suis dans les noms, on va appeler la distance entre les deux ici petit d. Donc voilà, on se demande finalement. Ok, on a dit que si le plan était infini et uniformément chargé, eh bien, les lignes de champ étaient parallèles et que le champ était constant. Sauf que là, j'ai dit d'accord, mon champ il est toujours uniformément chargé, vu que là, j'ai dit toujours que c'est moins Q sur l'air et plus Q sur l'air, mais il n'est plus infini. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que au centre, on va toujours pouvoir considérer que ce plan est infini d'une certaine façon. Si on est loin des bords, c'est comme si on était infini. Donc si je m'occupe d'abord du plan positivement chargé, eh bien les lignes de champ que je dessinais ici sont enfin les vecteurs champ électrique si tu veux, sont corrects. Je peux considérer que au centre, eh bien le champ est comme celui d'un plan infini et donc les vecteurs champ électrique sont tous de même taille et parallèles. Par contre, quand je m'approche des bords, eh bien ces vecteurs champs électriques, ou ces lignes de champ plutôt, vont être courbées comme ceci. Puisque tu vois, elles vont d'abord aller vers l'extérieur, et puis tout d'un coup, elles vont sentir l'influence de l'autre champ, et elles vont revenir. Et comme ça. Et évidemment, c'est pareil de l'autre côté. D'abord, je m'éloigne, mais je sens l'influence du deuxième plan. Je m'éloigne, et je sens l'influence du deuxième plan. Et là, idem, je m'éloigne, et voilà. Donc voilà, j'ai dessiné ici les lignes de champ de mon plan positivement chargé que j'ai dessiné ici en vert. Et bien maintenant, on fait la même chose pour le plan négativement chargé écrit en orange. Bah tu vois qu'en fait, ça va être extrêmement facile vu qu'on a déjà fait tout le travail. Puisque la seule chose qui va changer, c'est que puisque mon plan est négativement chargé, tu te souviens, et bien les lignes de champ vont aller vers lui. Alors que dans le cas d'un plan positivement chargé, les lignes de champ vont s'éloigner. Donc finalement, au centre, on va dire que c'est la même chose. Les lignes de champ sont parallèles et le champ électrique est constant. Donc en fait, ça va donner ça. Et sur les côtés, eh bien de la même façon, on va avoir exactement la même chose. Hop, comme ça. Donc tu vois que finalement, eh bien, j'ai pu facilement dessiner toutes les lignes de champ entre ces deux plans. Fini, mais uniformément chargé. Donc maintenant qu'on a fait ce beau dessin là, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça nous dit. Eh bien déjà, ça nous dit que je peux calculer le champ électrique entre ces deux plans, près du centre ou loin des bords, si tu veux. Eh bien, je peux dire que le champ électrique entre ces deux plans, c'est la différence du champ électrique émis par l'un moins le champ électrique émis par l'autre. Et là, on voit très bien que de toute façon, ces deux champs vont s'additionner, parce que ce dessin nous prouve qu'ils vont s'additionner. Donc si je le fais, on va dire, très bêtement, entre guillemets, eh bien, je dis que le champ électrique total, donc si lui, je l'appelle E+, par exemple, eh bien, ça va être le champ émis par le plan positif, donc 2 k pi
Q sur A moins l'autre champ qui s'écrit 2K pi moins Q sigma. Et en fait, tu vois que effectivement, ça revient à dire que finalement les moins ici deviennent des plus. Et donc ça nous fait 4 pi 4K pi pardon Q sur A. Donc voilà. Et en fait, c'est exactement ce que nous disait le dessin, c'est que les deux champs électriques vont s'additionner. Donc j'ai calculé le champ électrique qui existe entre ces deux plans finis et uniformément chargés. Et bien maintenant, je vais me demander quelle est la différence de potentiel entre ces deux plans. C'est-à-dire maintenant que si je me place par exemple ici, dans un point que j'appelle A, et bien à quel point ma charge a envie d'aller au point B et voilà, à quel point elle a envie de bouger et vers où elle a envie de bouger, si tu veux. Alors ça, on avait bien défini, c'est la différence de potentiel électrique. Mais avant de calculer ça, on va repasser par la différence d'énergie potentielle électrique. Donc tu te souviens bien, l'énergie potentielle électrique, ça dépend de la charge et de la distance, alors que le potentiel électrique, lui, c'est l'énergie potentielle électrique par charge, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus que de la distance. Donc j'espère que je t'ai pas embrouillé, on va faire le calcul, ça sera plus simple. Donc, si je dis que je calcule d'abord le travail pour aller de ce point A au point B. Eh bien, c'est tout simple, je dis que le travail, je peux l'écrire W, et que si par exemple la charge, je l'appelle petit q, eh bien le travail, c'est la force électrique fois la distance, donc la force électrique, ça on sait, c'est le champ fois la charge. Donc c'est égal à E fois q, qui me donne la force électrique, fois la distance. Donc voilà, j'ai calculé mon travail, et il est donné donc en joules, ce travail. Eh bien maintenant, que j'ai le travail, je sais que ce travail finalement représente l'énergie potentielle électrique. Donc j'ai l'énergie potentielle électrique. J'ai énergie potentielle électrique. Et maintenant, je sais que la différence de potentiel, eh bien cette différence de potentiel, je peux dire que c'est le potentiel en A moins le potentiel en B. Et je sais que c'est le travail ou l'énergie potentielle, donc peu importe, par charge, par unité de charge. Donc finalement, ça me fait E fois Q fois D divisé par Q. Donc là, ça simplifie. Et si maintenant on note grand U la différence de potentiel VA moins VB, eh bien je trouve que la différence de potentiel, eh bien c'est égal à E fois D. Donc voilà, j'ai calculé la différence de potentiel électrique entre mes deux plans. Et alors là, c'est intéressant parce que si je continue ici mon calcul, eh bien, je vais exprimer tout ça, si tu veux, en fonction de ce que j'ai démontré ici. Donc je peux dire qu'en fait, la différence de potentiel, elle est égale à 4K pi fois Q sur A fois D. Et si maintenant j'essaie d'exprimer Q en fonction de V, eh bien, je vais trouver que Q est égal à A sur 4 pi K D fois la différence de potentiel. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que finalement, si je regarde ce terme ici, eh bien A est une donnée de mon problème, K est une constante, et D est une donnée de mon problème. Donc si je dis que par exemple la configuration de ce problème il est donné par l'aire de mes deux plaques et la distance, ce qui est vrai, eh bien ça veut dire qu'à configuration donnée, j'ai une proportionnalité entre la charge et la différence de potentiel. Eh bien tu vois là, on vient de démontrer quelque chose de très important. Cette quantité ici, on l'appelle la capacité. Elle se mesure en farad, c'est-à-dire comme ça, farad. Et cette capacité, eh bien, elle représente justement la capacité si tu veux, donc c'est la charge électrique stockée pour un potentiel donné. C'est combien de charges électriques je peux stocker, ou bien ça va dans les deux sens, combien de potentiel électrique je peux stocker pour une charge électrique donnée. Donc tu vois qu'il y a vraiment une correspondance entre ces deux valeurs-là. Et alors maintenant, une autre façon d'écrire cette chose-là. Et donc, si je calcule Q sur U, eh bien, tu vois qu'en fait, je peux écrire ça comme étant 4 pi
K fois A sur D. Et en fait, donc ça, on verra plus tard que cette grandeur-là, ça s'appelle epsilon 0, c'est la permittivité diélectrique du vide. Et en fait, A sur D, c'est bien les caractéristiques de mon problème, c'est l'air divisé par la distance entre les plaques. Et donc là, finalement, on a démontré que eh bien, la capacité, donc si je l'appelle C, eh bien, elle est égale à epsilon 0 A divisé par D. Donc la capacité entre deux plaques finies et uniformément chargées, elle s'écrit epsilon 0 fois l'air sur la distance entre ces deux plaques. Donc si maintenant je résume un petit peu tout ça, en espérant que je t'ai pas perdu, eh bien à partir de ce qu'on avait démontré sur le plan infini et uniformément chargé, on a pu comprendre ce qui se passait dans des plans finis et uniformément chargés. Et de plus, si on a vu qu'on mettait deux plans face à face de charges opposées, eh bien ce plan possède une capacité, ce qui veut dire que pour une charge électrique donnée, il va pouvoir stocker un potentiel électrique. Et inversement, si tu lui donnes un potentiel, eh bien il va pouvoir stocker une charge. Donc j'espère que ça t'a bien aidé et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.